Salut tout le monde, c'est Zophile, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre méga campagne sur l'Empire Byzantin. Donc la dernière fois on avait enfin créé un passage avec notre enclave de Druze, qui n'est du coup plus une enclave. Donc du coup maintenant, j'ai décidé on va arrêter de prendre des provinces musulmanes vu que ça va nous prendre un temps fou pour tout convertir. On va un peu prendre des provinces orthodoxes, au moins chrétiennes. Du coup, ce que j'avais sur liste de prendre à l'est, c'est cela, pour renforcer mon passage ici. Nisibine, parce que j'avais des villes. Et ça, un peu ici. Je pense qu'on va prendre des trucs là. Alors, soit Crimée, soit Mourakan. Je pense Crimée, on va commencer par ça. Mais Usami, j'aurais pas encore déclaré la guerre. J'ai toujours la revendication dessus, normalement. Oui, revendiquer Crimée. Oh, j'ai appuyé toutes les revendications. Si nous gagnons la guerre, j'ai Sheikha de Crimée. Emirade et... Oh, bah j'ai plein de trucs. Hein. Ça peut être intéressant, mais... Syrie, ouais, c'est ça. Ça, on est plus fort qu'eux. Oh, est-ce que je vais faire une petite alliance avec la Russie si je peux? Faut que j'ai une alliance. Non, je ne peux pas. Ils commencent à être puissants, mine de rien. Faudrait que j'améliore les relations avec eux pour former un bon petit truc. Allez go! Appuyez toutes les revendications. Ils ont déjà des troupes. Comment on va se répartir? Faudrait des troupes qui soient là et d'autres qui soient là. On va faire comme ça dans un premier temps. Vous allez ici en Crimée. Parce qu'il a l'air de pas y avoir beaucoup de monde. Et le reste... vous allez commencer par vous rejoindre là. Pareil pour vous. Pour toi. Parce qu'on est à peine plus fort qu'eux. Mais à peine, voilà. À peine, c'est à peine. Et on les emmène directement à Antioche. Il y a 25 000 là, ils sont assez nombreux. Pour être honnête, je me souviens pas trop de toutes mes revendications, donc j'ai un peu hâte de savoir ce qu'on va gagner. D'avoir des bonus, mais bon, ça va, s'ils sont que 80. Les habitants de Dwin, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
pas tout ça, mais c'est encore beaucoup à convertir. Allez hop, ta prise. J'ai un peu peur de ne pas être assez nombreux. Ah si, ils vont vers là-haut. Avec un peu de chance, ils vont détourner leur attention d'ici. J'espère juste d'avoir fait un partage équitable. On a pris la Crimée, c'est bien. Victoire. Allez, on continue de faire des sièges. Les provinces qu'on revendique de base, faut qu'on les assiège le plus. Ça augmente fortement le score de guerre. Merde, j'ai mis réorganiser ces deux unités. Alors je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais. Je pense que ça les classe selon leur type de truc et ça équilibre un peu tout ça. On n'a pas encore tout équilibré. On n'a pas encore tout occupé. Occupé tout. Usamid, ça va. Oh, ça va jusque là-haut. Farama a été converti à foi orthodoxe. C'est où Farama? Ah si si. Tant mieux. Siège de Junkuib. Ok. Allez, go. Assiégeons, assiégeons. Ceux-là me font un peu peur. Finalement, on va partir par là. Si nos deux armées restent à proximité, ça va être une meilleure idée. On va commencer par aller là. Déjà marié, mon fils. Ah oui, c'est vrai, il est marié à celle de 33 ans. Il n'a pas encore d'enfant. Si, il a un fils. Par contre, ça me fait peur, ça. On va commencer par aller là. Je sais, on va la tirer dans un piège. Et pour ça, il faut que ce piège fonctionne. Maître des offices. Quelqu'un veut devenir maître des offices? Toi? Allez. Où est-ce que j'ai pas de revendication? J'ai hors de revendications partout. Oh, des couelles. Ça pourrait être bien pour avoir une frontière lisse. Oh, tiens, bah, tu vas faire les revendications là. Hop. Il a tout l'air de se diriger par là. Siège de Tmurakan, bien. Maintenant, vous allez aller là pour vous régénérer. Thank you.
Là, dans tous les cas, on gagne. Et il va se diriger vers là-bas. Mais comment il a fait pour désasséger la province si vite? Ah merde. Ah, j'espère qu'on arrivera à temps. Merde, 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 merde. Il faut juste qu'ils tiennent. Il faut juste qu'ils tiennent, qu'ils résistent. C'est mort, ils arriveront jamais à temps. Et merde. C'est mort. Repli, repli, repli. On va faire une armée concentrée. On va aller directement à Trébizond là. Ils nous poursuivent. On va attendre que eux ils régènent, puis ensuite on va les battre. On va les repousser eux. Nous leur rendrons au centuple ce qu'ils nous ont fait. Alors, diminuer l'autorité de la couronne. Pff, tu me fais chier. Autorité royale moyenne, mais TG. Allez, duché de l'Azerbaïdjan. Mais attends. Si j'ai un fils sans terre, pourquoi je peux pas lui donner le. Changement de plan. Ils font demi-tour, bien. Il faut les attaquer maintenant. Ils n'ont aucune chance. Comté de Constantinople, mais. Il faut qu'on le poursuive. Et je sais déjà comment on va faire. Colonie a été convertie à orthodoxe. C'est où ça? Ah ouais, c'est ici. Krivetchie. Oula, c'est où ça? Ouais, c'est ici. On va attendre de régénérer encore un peu et ensuite on va siéger là. Ils sont là, on les attaque maintenant.
Faut toujours d'abord s'occuper des troupes. Toujours. Je pense qu'on va occuper ça, comme ça on a un bon point de vue sur les alentours. Hop, toi, tu vas nous rejoindre là. Il peut toujours nous servir. Oh non, je sais ce qu'on va faire. Pour le narguer, on va faire comme ça. Il va commencer à siéger là. Bon, il va pas être assez, mais... Je sais pas si ça va servir à grand chose. Mais bon. Luxe manuel de Sinaï. Ah, je sais pourquoi. Parce qu'ils ont pris. Pourquoi il y avait une. Parce que j'ai pas de revendication sur ça, non. Si, j'ai une revendication, ouais, parce que avant ils avaient plus de provinces. Bah, du coup, on va le faire revendiquer autre chose. Revendiquer. Ouais, j'ai déjà une revendication. J'ai déjà une revendication sur ça. J'ai une revendication sur ça, oui. J'ai pas de revendication sur ça. Allez hop. Ah, je peux nommer deux commandants. Spécial terre arable. Pas vraiment pour nous ça, mais ça fera l'affaire. Bon, et sinon, l'Empire Mongol... J'ai rien dit, l'Empire Mongol est en train de se faire ouvrir. Donc... C'est dommage, bon, j'étais chaud pour le combattre, l'Empire Mongol. J'étais chaud, qui batte un peu le Seljouk, le Samide, la Blaring, parce que j'ai vu un Empire Mongol qui allait jusqu'ici. Hein. Jusqu'en Afrique et tout. Jusque là... Là, il s'est fait... Là, il s'est fait ouvrir. Il nous faut un mystique. Un fou, un mystique. Ouais, non, je sais pas si vous connaissez cette référence. Ou si vous êtes trop jeune. Ils sont juste là. Non, non. Ça, c'est juste des rebelles. C'est quoi l'ici? Ah, c'est ça, d'accord. Regardez, il s'enfuit. Ils n'ont aucune chance. Envoyer un renfort de 88 hommes. Ça va être extrêmement utile. Et du moment où ils ont dépassé la moitié de leur morale, l'armée elle est foutue. Non, ils vont rester là. Il
qui se régène. On va attendre qu'ils aient au moins 16 000 et ensuite on va le... On va déjà occuper les territoires parce que là il faut que notre score de guerre augmente un peu. C'est bien, ils se font ouvrir par les rebelles. Au moins ça m'arrange. Ah, un maréchal. Il essaie d'occuper quelque chose, mais il ne réussira pas. Allez. Ah, Jaffa et Spalatos sont orthodoxes. Bien, bien. Ah d'accord, c'est parce que j'ai des villes ici en fait. Prendront pas mes villes. Jamais. Oh, Fer est orthodoxe. Ah oui, c'est vrai, ils étaient cathares ou je ne sais quoi. Non, catholiques. Je sais plus. Wouah. Ah, c'est parce qu'il est en prison, d'accord. Appuyez nos exigences. Par contre, je suis pas sûr de si je fais une connerie. Donc, on va quand même sauvegarder avant. Man, je l'avais déjà, je sais plus. Il me semble que non. Ah, si, j'ai Nisibin et Al Jazeera. Je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, là, j'ai toute la Crimée. C'est très bien comme ça. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode suivant. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.
n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me donner des conseils, me dire ce que vous en avez pensé. Et de mettre un pouce vers le haut. Allez, salut à tous.